Aujourd'hui aussi, c'était un jour particulier pour le FC Barcelone, qui malheureusement donc a perdu sur un score assez élargi, disons, avec un but heureusement du sauveur en quelque sorte. Lamine Yamal qui est entré en cours de jeu et qui a fait son match comme d'habitude et qui a réussi donc à marquer un but pour sauver l'honneur du côté du FC Barcelone. C'était un match assez pittoresque, un match assez maigre de la part de FC Barcelone qui a fait de son mieux dans le mauvais sens, mais voilà, ils ont réussi quand même à perdre 4-1. Après donc avoir réussi à enchaîner pas mal de victoires, malheureusement donc lorsque Ancelotti décide de tout faire tourner pour une fois, c'est la catastrophe, c'est la cata, c'est les tocarismes, c'est juste incroyable de voir l'écart qu'il y a entre donc, le 11 type et les remplaçants. Il y a quand même un gros écart et ça risque d'être assez présent pour le FC Barcelone parce que faut rappeler qu'il y a des échéances assez importantes avec le Bayern Munich, avec pas mal d'autres équipes aussi. Donc, à un moment donné, il faudra qu'il fasse tourner. Et s'il fasse tourner, que ces gars-là, les gars qu'on a vus aujourd'hui-là, qui sont présents sur le terrain, ça sera vraiment. Je n'ose pas vous le dire. Ça, je pense qu'on va le voir, on va le constater tout au long de la saison, en espérant que oui, Hansi Flick, qu'il réussisse au moins à essayer de trouver des joueurs moins mauvais que ceux qui ont été alignés aujourd'hui, qui pourront tenir la relève lorsque les joueurs importants, les joueurs donc, titulaires seront blessés ou lorsqu'ils auront besoin donc, de souffler un peu.